Cela fait déjà 2 ans que ces machines d'Isigny-Sainte-Mère produisent du lait en poudre pour les bébés chinois. Mais grâce à ce nouvel accord signé avec son partenaire, l'entreprise va plus que doubler sa production. Elle passera de 20 000 à 50 000 tonnes par an, dont un tiers sera exporté vers la Chine. Ils étaient demandeurs de volume additionnel important, et donc il est nécessaire de faire un nouveau plan, donc une nouvelle usine, qui nous permette de faire des capacités additionnelles de poudre de lait infantile, c'est-à-dire multiplier par 2,5 ce qu'on a aujourd'hui. Une centaine de salariés va être embauchée pour faire tourner cette nouvelle usine qui ouvrira début 2015. Et si la Chine va jusqu'en Normandie pour s'approvisionner, c'est parce que le pays est encore sous le choc du scandale du lait frelaté de 2008. Ici, du producteur jusqu'à la mise en boîte, les contrôles sont nombreux et la qualité assurée. Il y a une traçabilité totale en matière de production du lait, donc ça c'est une sécurité pour le client. Et puis Isigny donc, a une renommée de longue date également dans la production du lait infantile, puisqu'on produit du lait infantile depuis 1959. Mais le lait en poudre d'Isigny n'est pas le seul à avoir les faveurs de la Chine. 20% du lait infantile produit en France est destiné au marché chinois, son premier client à l'export.